بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة. Bonjour. Nous allons étudier maintenant quelques versets du chapitre Les abeilles. Al-Nahl. Dieu dit: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Puis il nous raconte quelques aspects de la vie des Israélites, de l'histoire noire et ridicule. Dieu dit: Fakulu marzakum Allah, c'est-à-dire mangez tout ce que Dieu vous a donné comme faveur, comme provision. Fakulu marzakum Allah, halal taïba, c'est-à-dire qui a le caractère d'être illicite. Et bon, bon comme rafraîchissant, comme de bon goût, de bonne odeur, de bon aspect, etc. Et puis qui est nourrissant à tous les niveaux, soit sur le niveau spirituel ou intellectuel ou affectif ou relationnel ou physique aussi, mais physiologique. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. اي بوي رمسي ديو pour cette ces faveurs là, ces provisions là. ان كنتم اياه تعبدون, au cas où vous êtes vraiment des gens qui adorent Dieu pour de bon. Et puis l'adoration, on a vu ces différents aspects et les manières de la réaliser, etc. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر إلى رباز ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Dieu il a interdit certaines choses, par exemple ce qui est cadavérique, ce qui est porc, ce qui a été immolé ou sacrifié au nom d'une autre divinité à part Dieu. Et on a vu comment, lorsqu'on a fait plusieurs expériences, qui consiste à comparer les lions sur lesquels on a évoqué le nom de Dieu et l'autre lot où il n'y a pas cette évocation-là. Il n'y a pas ni évocation ni invocation. Et le résultat de ces expériences, c'est que la chair du premier lot a été longtemps fraîche, longtemps vide de toutes les lésions et qu'il n'y a pas une infection ou inflammation. Vous voyez qu'il y a le secret de l'invocation de Dieu et de l'évocation du nom de Dieu. C'est beaucoup de secrets. Ça reste, cet acte-là, il garde beaucoup de ses mystères. Et peut-être un jour ou l'autre, on va, comment dirais-je, découvrir d'autres aspects de ces mystères-là. Donc, إنما حرم عليكم الله Dieu il a précisé ce qui est interdit dans le monde de la nourriture. إنما حرم عليكم الميتة, ce qui est mort de façon comment dirais-je infectieuse ou de façon à arrêter la croix d'animaux plus féroces, plus sauvages, والدماء et le sang qui est un point de culture, والعمل الخنزير, c'est-à-dire la chair et pas la peau, parce que la peau elle n'a pas été montée. Et puis nos exégètes et nos scientifiques, ils disent que la peau du porc du sanglier, lorsqu'elle est tannée, cette peau-là, elle n'a plus de relation avec l'origine de l'animal, c'est-à-dire elle n'a plus les caractères de la viande du sanglier ou du porc. وما أهل لغير الله به, on a cité ça, فمن اضطر غير باغ ولا عاد, vous voyez maintenant
Voyez la miséricorde de Dieu, comment elle se manifeste. Au cas où on est en extrême urgence, c'est-à-dire on est menacé par la mort, par l'inanition, par les maladies, parce qu'on n'a plus de protéines pour fabriquer ce qui est, comment dire, immunoglobine, on peut prendre ce qui a été interdit parce qu'on est sous la contrainte. Donc, on ne prend pas beaucoup. Comment on retrouve quelque chose d'ici et on ne prend pas autant de pensant qu'on va vraiment être rebelle devant Dieu, c'est-à-dire être transgresseur. Mais le Torah est rebelle, voilà, c'est-à-dire acte qui n'est pas transgresseur, qui n'abuse pas. Non, Ber, c'est le transgresseur, et Wa'ad, c'est celui qui abuse de cette alimentation-là. فإن الله غفور رحيم صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا لما ترفضوا ألسنتكم الكذب هذا حلال والحرام Dieu nous a interdit de dire d'après nos spéculations, d'après nos représentations, que ceci est licite, alors qu'il est illicite et l'inverse aussi. Voilà. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال والحرام لتفتروا على الله كذبا دون البيت dire du mensonge à l'égard de Dieu, c'est-à-dire pour mettre dans les têtes que Dieu a voulu ça. Donc vous déterminez et vous faites des catégories issues de vos maladies intellectuelles, maladies tout court. ولا اعتقد ان الله غفور رحيم ولا تقول لما تصف السنتكم هذه الكذبه هذا حلال ولا حرام لتفتروا على الله الكذبه ان الذين يفترون على الله الكذبه شوكي forge des mensonges à la place de Dieu, c'est-à-dire ils disent ce que Dieu a dit, ils ne sont jamais dans la réussite, ils ne sont jamais dans le bonheur, ils ne sont jamais à l'écart de châtiment divin. Maintenant, Kali, Dieu lui dit, si vous faites ça, c'est pour un laps de temps très réduit. Voilà, ils auront comme salaire, si on peut dire ça, ou rétribution négative, adaptement, très hyper douloureux au salaire.